Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour notre 36e séance de renforcement spécial confinement. Alors avant de commencer la séance, je voudrais revenir sur la fin de séance d'hier. Je m'en suis aperçu après, on a été coupé. La vidéo, c'est le direct, s'est coupé juste après la fin du module 3. Alors j'en suis désolé, j'ai eu une petite coupure internet qui s'est produite à la maison. Voilà pourquoi ça s'est coupé. J'ai fait plein de manip durant la journée pour essayer que ça ne se reproduise plus. Aujourd'hui, tout devrait bien se passer et on va pouvoir faire nos étirements comme à chaque fin de séance pour pouvoir se sentir léger comme un cerf-volant toute la journée. Ok ? Alors, enfin, c'est pas grave. Aujourd'hui, comme tout est réglé, on va pouvoir passer à la séance du vendredi, une séance full body, corps entier. On va travailler haut du corps, bas du corps, toujours autour de 3 modules. Le matériel d'aujourd'hui, simplement 2 charges. Moi, j'ai pris 2 livres. Ok, vous voyez la charge que vous voulez mettre, charge lourde, charge légère, des livres, ce que vous avez sous la main, toujours, du moment, que ce soit à poids à peu près égal. Ok, écoutez, on va pouvoir attaquer la séance, c'est parti pour le traditionnel échauffement articulaire. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous retrouver. Allez, c'est parti. Hop, allez, rotation de cou. Et les épaules à l'arrière. Et vers l'avant. Allez, main au niveau des épaules. Et je vais chercher vers le haut. 2, 3, 4, 5. Je reste au niveau des épaules. Et je vais chercher vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Et on repart vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et vers l'avant. 2, 3, 4, 5. Ok, on passe au buste et au bassin. Allez, hop, dans un sens et dans l'autre. Et les genoux. Hop. Et on termine par les chevilles. Avant d'attaquer l'échauffement cardio et le module 1, le module cardio. Vous allez voir, on va avoir un petit exercice un petit peu différent de d'habitude. Il va falloir travailler un petit peu notre vitesse. Allez, c'est parti, j'active mon chrono. Le temps pour vous mettre en place, on boit un petit coup pour ceux qui veulent boire un petit coup. Et la séance démarre. Allez, c'est parti, on trottine sur place. Genoux avec une rotation du buste. Hop. Le module cardio qui va s'organiser sur 6 petits exercices et on repart en trottinant que l'on va faire sur 25 secondes, et on va faire 2 tours de ça. D'accord ? Petit module cardio aujourd'hui parce que vous savez, demain la séance va être consacrée en très grande partie à du cardio, donc c'est pour ça qu'on diminue un peu aujourd'hui pour varier les plaisirs. Allez, le talon fesse. Et 3, 2, 1. Et on part, on se retourne sur place. Allez, 25 secondes par mouvement, 6 mouvements. Le premier mouvement, c'est le mouvement de récupération. On commence toujours par celui-ci. Soufflez bien. On commence à accélérer un petit peu les jambes. On bouge un peu plus haut les genoux. Allez. Et on va partir sur un premier mouvement. Je vous l'explique. En attendant, on continue à trottiner. Un mouvement. Deux mouvements. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Pied devant, derrière. Un, deux, trois. Jumping jack. Un, deux, et trois. Un, deux, trois. Un, deux, 3, 1, 2, 3, hop, 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 1, 3, hop, hop, 3, hop, hop, 2, 3, et les coudes en l'air, et là, 1, 2, et côté, 3, 4, 1, 2, 3,
4, 1, 2, 3, 4, devant, devant, côté, côté, devant, devant, côté, côté, hop, 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 et là on passe, j'ai un petit trou, allez, pied côté, main au ciel, à l'opposé en diagonale, hop, hop, on souffle bien. Allez. Et là, je pars en squat. Et comme si je prenais une masse, je saute. Et coup de masse. Coup de masse imaginaire. Hop. Un bûcheron ce matin. Un petit exercice de bûcheron. Squat. Saut. Hop. Coup de masse. Et dernier exercice, on est sur place, 25 secondes, attention, top, je passe au sol le plus rapidement possible, top, je repasse debout, top, au sol, top, debout, et hop, au sol, hop, debout, le plus vite possible, et hop, bon, là j'ai fait du dégât, ça y est, ça peut arriver, et hop, au sol, hop, et je monte. Et on trottine sur place. Et ben voilà. Pour ceux qui avaient mis des pronostics, il aura fallu attendre la 36e séance pour casser un pot. C'est pas grave. Allez. On souffle bien. Et on attaque le deuxième tour. Allez. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, pied devant, pied derrière, jumping jack. 3, 3. Et on part, genou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, côté. 3, et 4. Et côté 3, 4, 3, 4, et hop, pas et main diagonale. Allez, on finit le deuxième tour à fond. Squat, coup de masse, squat et coup de masse imaginaire. Allez, on décolle bien les pieds du sol à chaque fois. Et je pars, trottine sur place. Le dernier exercice, rapide, top, on passe au sol. Et on passe le bout. Et on trottine. Rapide. Rapide. Hop. Au sol. Et hop. Debout. Et hop. Au sol. Et hop. Debout. Allez, 4, 3, 2, 1. Et on lâche. Wouh. Bon, bah voilà. Fin de ce premier module. On récupère, on boit un petit coup. Voilà, on va passer maintenant au module 2. Je prends mon petit pense-bête. Bon bah voilà, ça y est, j'ai cassé un pot. Depuis le temps qu'ils étaient en danger, ça fait 36 jours qu'ils sont en danger. Ça va ravir tous ceux qui avaient des pronostics sur ça. Allez, on va la récupérer un petit peu. Place maintenant au module 2. Un module 2 qui va s'organiser sur 5 exercices que l'on va faire pendant 50 secondes. 50 secondes et pour lesquels on va récupérer 15 secondes entre chaque. On fait évidemment 2 tours de ça.
et on enchaîne sans pause entre les deux tours. Ok? Allez, on va partir. Je ne vais pas vous expliquer les exercices, je vais vous les faire au fur et à mesure. Le premier, très simple. Je pars, fente arrière, 1, fente arrière, 2, squat, saut. Ok, c'est très simple. Allez, 3 secondes, 2 secondes, 1, et c'est parti. Fente arrière, 1, 2, et un squat, saut. Hop, 3, et 1, et 2, et un squat, saut. Hop. Et 1, et 2, hop, et squat, saut, et 1, hop, soufflez bien quand vous remontez à chaque fois, et quand vous sautez, allez, 1, et 2, et le saut, allez, la dernière, 1, et 2, et le saut. Top. Et on relâche. Soufflez. Deuxième exercice. Je vais pouvoir me mettre à genoux. Vous pouvez rester debout. Moi, je vais me mettre à genoux pour qu'on me voit mieux. On prend nos petites charges. Je prends mes deux livres. Je les mets côte à côte. Et on va partir bras tendus. Et là, je vais faire le tour de mon cou. Et je repars bras tendus. Et pareil dans l'autre sens. Alors vous l'aurez compris, plus vous allez avoir une charge lourde, plus l'exercice sera difficile. Attention à deux choses. La première, à toujours souffler quand vous allongez les bras devant et surtout à bien avoir vos bras à hauteur d'épaule. D'accord? Pas plus bas, pas plus haut, bien à hauteur d'épaule, devant les yeux. D'accord? Allez, encore. Et on relâche, soufflez. Allez, on va partir. On peut garder notre coussin puisqu'on va partir sur des pompes. Des pompes que l'on va faire de la manière suivante. Je descends en pompe. 1, top, c'est parti. Et je lève une main très haut. Je redescends et je lève l'autre main très haut. La troisième, je lève et la main gauche et la main droite. Une pompe. Bras gauche, une pompe, bras droit, une pompe, et hop, gauche et droit. Allez, hop, 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 et gauche et droit. On fait ça sur les pieds ou sur les genoux, comme vous voulez. On place bien la respiration quand on pousse sur les pompes, surtout. Essayez d'aller bien chercher loin avec votre bras en l'air. Surtout, allez, on maintient. Encore 6 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, c'est parti. On va repasser debout pour le quatrième exercice. On reprend notre charge. On va partir sur un squat. Les bras tendus. Je touche le sol avec ma charge. Le dos bien droit. J'ai mes mains dans chaque, les livres dans chaque main. Je remonte. Et là, je vais partir une fois devant. Et une fois applaudir au-dessus de la tête. Je redescends, hop. Une fois devant, une fois au-dessus de la tête. Allez, hop. Hop. Je souffle quand je remonte. Je souffle quand je lève les bras. Je souffle quand je viens applaudir. Allez. Encore. Allez, une dernière. Et hop, devant. Et j'applaudis. Top. On relâche. Dernier exercice. On va passer à genoux. Alors, on prend de la place pour ne pas shooter ce qu'on a autour de nous, comme j'ai pu le faire à l'échauffement. Et là, très rapidement, on va faire ce qu'on appelle des montées de genoux, jambes tendues. On l'a déjà fait pour travailler les fessiers. Mais là, le but, ça va être de le faire le plus vite possible. Allez, on allonge bien. Derrière, hop. Et genoux à la poitrine. Allez,
25 secondes, bien sûr, on changera de jambe. Hein. Encore, 5 secondes pour changer. Allez, loin et rapide. 6, et top, 25, et l'autre. Hop, c'est bon, je vérifie que j'ai de la place. Allez, on va chercher loin derrière, hein. Tendu et haut. Encore. On repart, premier exercice avec les fentes arrière et les squats sautés. Soufflez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on repart. Fente arrière. Hop. Hop. Et je pars. Squat. Je monte. Hop. Hop. Et squat sauté. Allez. Bien sûr, vous pouvez utiliser la charge hein, pendant ces. Cet exercice, vous prenez un lift dans chaque main, n'hésitez pas, hop, et squat, sautez, n'hésitez pas à vous rester un petit peu, ça rendra l'exercice un petit peu plus difficile, allez squat, et on rebondit bien, on décolle bien les pointes de pied du sol à chaque fois, allez encore 12 secondes, hop, et l'autre, hop, 2, 1, et on relâche. Allez, je repasse à genoux pour le travail des épaules. Hop. Les deux livres collés. On souffle bien. C'est parti. Hop. Un tour. Tendu devant. Et tour. Et encore 10 secondes. Et on lâche. Soufflez. Oh, j'ai très chaud aujourd'hui. Allez, soufflez bien. Et on repart sur les pompes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. On est en place. Allez, une pompe. Je lève un bras. Une pompe, je lève l'autre bras. Une pompe, hop, et bras gauche, puis bras droit. Allez, et hop, un bras. Hop, l'autre bras. Hop, gauche, et droit. Encore. Hop. Allez, encore jusqu'au bout, 20 secondes. Hop. Secondes. Ah, ça chauffe, hein? Allez. Et top. On relâche. Soufflez. On en est. On en est à notre soulevé de terre. Je prends mes deux livres dans chaque main. Bras tendus, jambes écartées. Et on descend. Seul. Devant. Et moi aussi. Allez, je descends le dos bien devant. Le poids de mon corps sur mes talons. Je remonte. Tendu devant. Hauteur de visage. Et un petit arc-en-ciel. Hop. 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 Je vais vérifier que tout se passe bien au niveau du direct. Ça a l'air. On n'a pas de soucis aujourd'hui. Tant mieux. Allez, on continue notre exercice. Hop. Tendu. Et hop, hop, tendu, et hop, 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 et vers le haut. Allez, hop, hop, et on va chercher au top, on relâche, allez, on termine,
par les montées de genoux. Petit travail de fessiers et d'abdos sur cet exercice. 5 secondes. On va surtout chercher loin et haut, jambes bien tendues. Hein, on fait en fonction de notre souplesse. Allez, c'est parti. Allez, un maximum d'amplitude dans notre mouvement. Je souffle quand je place ma jambe derrière, en jalon derrière. Allez. J'inspire quand je rapproche du genou, de la poitrine. Et je souffle quand je pousse loin derrière. Je rappelle. Allez. Allez, attention. 3, 2, 1. Et on change de jambe. Et l'autre. Hop. Ouais, j'ai une table là. Hop, c'est ça. Hop, 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 encore. Allez, on accélère la fréquence au maximum que l'on peut. Encore. Attention, et on relâche. Wouh! Fin de ce module 2. Allez, on souffle quelques instants. Il est très chaud aujourd'hui. On boit un petit coup surtout. Continue tout au long de la séance à donner à son corps un petit apport électrique à chaque instant. Hein, toutes les 5-10 minutes, c'est pas mal de boire une gorgée ou deux. Ok, allez, place au module 3. Module 3, module abdo. Aujourd'hui, je vous l'avais annoncé hier, un module sur la base qui va se dérouler sur la base de ce qu'on a fait cette semaine. 4 exercices pour 30 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 2 tours. Voilà, très simple, le petit tabata 30-10 avec 4 exercices assez simples, vous allez voir, mais le but ça va être d'enchaîner en mettant un maximum de fréquence dedans. Je stoppe mon chrono et je vous explique les exercices parce qu'on va avoir des 10 secondes de récupération, ça va aller très vite. Le premier, il est très simple, on s'allonge sur le dos, main sous les fesses pour caler son dos, on fait attention à ne pas creuser son dos, battement. Très simple. Deuxième exercice, je reste au sol, je rapproche mes pieds et mes genoux plus haut pour bien avoir le dos à plat et bien collé au sol. Hop, et là, je vais aller chercher avec ma main opposée le genou, l'avant du genou, hop. Je me replace et je vais toucher l'avant du genou à chaque fois. Hop. Hop. Très simple. Le but, ça va être d'aller le plus vite possible. Je vous rappelle. Le troisième exercice, ça va être simple aussi puisque c'est des abdos crunch. Le dos bien à plat. On reste dans cette position. Abdos crunch. D'accord. Et le dernier exercice, entre guillemets, un peu plus technique puisqu'on va faire un relevé de buste. Et ensuite, 1, 2, 3, 4. Je repars au sol. Relevé de buste. 1, 2, 3, 4. Troisième twist. Ok. Je redémarre mon chrono. Voilà pour ces 4 mouvements, 4 mouvements, je vous rappelle qu'on travaille sur 30 secondes avec 10 secondes de récupération. On fait 2 tours. Et puis voilà, pour ce module 3. Allez, on se met en position, on démarre en 4 secondes, ça va très vite. Allez, top, c'est parti. Allez, jambes bien tendues, pointe de pied bien tendue. On respire bien, on souffle, tout petit rapide. Encore 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On peut placer ses jambes déjà. Attention, on pose la tête pour ne pas avoir le cou trop contracté. On récupère. Et c'est parti. L'avant des genoux. Hop, hop. On souffle à chaque fois qu'on vient poser sa main à la hanche de son genou. Hop, hop. Allez, ça va commencer à chauffer un petit peu. Et 5, 4, 3, 2, 1. Top, on relâche. On reste dans cette position. C'est magique, aujourd'hui on change pas de position. Soufflez, 5 secondes. Et on part pour les crunchs, tout petit, rapide. Et c'est parti. On décolle les épaules, on soulève son dos, on vient reposer à chaque fois ses omoplates. Allez. Allez, maximum de fréquence, on va le plus vite possible.
Je souffle à chaque fois, je soulève mes épaules. On relâche. Soufflez, 10 secondes. Allez, relevé de buste, retiens le twist. Un relevé de buste, 4 retiens le twist. On part en 3 secondes. 2, 1, et c'est parti. Allez, hop. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Et 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. Et hop. 1, 2, 3, 4. Et hop. Encore. 2, 3, 4. Allez. 1, 2, 3, 4. On relâche. Soufflez. 10 secondes. On attaque le deuxième tour. C'est là que ça va commencer à chauffer. On a les jambes prêtes, tendues. Attention, top, c'est parti. Allez, tendu. On respire bien. Encore. Et 12 secondes. Allez. Allez, tout petit rapide. 4, 3, 2, 1. On relâche. Soufflez. Allez, les touches, genoux. 5 secondes. Allez, on se repositionne. Attention. Et c'est parti. Allez, rapide. Encore. Secondes. Deux, un, et on relâche les crunchs. On est toujours posé. Ah, je me place bien pour qu'on me voit. Attention, et top. On lève bien les jambes hein, pour avoir surtout le dos bien à plat. On ne doit pas avoir le dos creux hein, pendant cet exercice. Encore 6 secondes. Top. On relâche. Allez, le dernier. Les relevés de buste. Russian twist, allez, on a commencé par les relevés de buste tout à l'heure, on va commencer par les Russian twist maintenant. Top, c'est parti. 2, 3, 4. Et on va chercher au moins. 1, 2, 3, 4. Et on remonte. Allez, 1, 2, 3, 4. Et encore, hop. Encore. Allez, 7 secondes. Allez, 3, 2, 1, et on relâche. Wouh! Soufflez, ça chauffe tout de suite dans les abdos, c'est ça qui est bon. Allez. Fin du module 3, fin de ce module abdos. Comment vous l'avez vécu? Comment ça a été de l'autre côté? On laisse toujours ce petit message en commentaire pour voir si on peut un petit peu continuer à augmenter la difficulté des séances. Là, on était sur 30 secondes de travail avec 10 de récupération cette semaine. On va peut-être augmenter un petit peu la semaine prochaine encore. Pas forcément le temps de travail, mais peut-être le temps de récupération qui va diminuer. On va pouvoir un petit peu jouer là-dessus ou sur l'intensité des exercices. Alors surtout, n'hésitez pas à marquer votre retour d'exercice, votre retour de séance pour voir comment c'est déroulé, pour toujours qu'il soit adapté le mieux possible à tout le monde. Hein, bien sûr, je vous rappelle qu'on peut adapter chaque exercice en le rendant plus difficile ou plus facile selon notre niveau de pratique. Ok, pas de panique pour ça. Allez, on a pris quelques instants pour récupérer. On va passer aux étirements. J'arrête ce petit chrono qui tourne dans le vide maintenant. Hop, allez, jambes tendues. Hop, puis on va chercher la pointe de pied. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Je plie une jambe. Et on va chercher l'avant toujours. Quatre.
4, 3, 2, 1. Et on relâche en accompagnant ses jambes. On change de côté. On ramène le plus possible de nos fesses et hop, j'écarte les jambes au maximum, les genoux et je pousse avec mes coudes et on maintient. Et 4, 3, 2, 1 et on relâche. Ok, allez, on va terminer debout. Je vais chercher le sol, jambes tendues. Et 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On joint les deux mains pour finir. Jambes tendues, bras tendus. On tire, on se grandit au maximum, pointe de pied. 5, 4, 3, 2. Une dernière. Et on souffle bien. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et bien voilà, pour la séance d'aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à récupérer pour être au top pour la séance de demain. Je vous rappelle qu'on est toujours présent le week-end et samedi et dimanche. Demain, c'est samedi et vous savez, le samedi, c'est cardio. Donc demain, on va transpirer au max, soyez prêts, on récupère bien pour ça tout au long de cette journée. Et dimanche, la séance récup de la semaine, la séance étirement. En attendant, eh ben, passez une excellente journée. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Moi, je vais aller faire mon petit ménage. J'ai des petits pots à ramasser qui se sont cassés. En attendant, passez une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous. À demain, 11h30.